I've been looking around and seeing now. Watching around and feeling good. Mon lard te jure, fais je pète un cap. Sans aucun doute, la goutte de ma life. Yeah, I know what you think. Loving a girl like this, it's nothing but good for me. Yeah, I try, but she's so hard for a guy. Ouais mes beautés, on est dans l'avion. Voilà, on attend juste le décollage, je sais même pas quelle heure il est. Il est 13h56, donc normalement on part à 14h. Trop hâte. Moi je me tape un petit film. Je me regarde un petit film. She's got a passion, and you got lucky, baby, for you, I'll be working so hard. De Paris à Yaoundé, il faut compter 6h30 de vol. Donc nous on a voyagé l'après-midi, donc dans l'avion ils nous ont donné à manger, un petit repas histoire de tenir les 6 heures. Et puis bon, on s'est occupé comme on pouvait en regardant la télé, les vidéos. Pour l'Aya, c'était des jeux. Donc voilà, mais la nourriture n'était pas top. Hein. Salut les filles. Ah, ça y est, nous sommes arrivés. Et là, on va manger. On retrouve la famille et tout le monde. T'as préparé quoi, Arlette, alors? Le zanga. Le zanga. J'avais passé commande. Le poisson braisé. Poisson braisé. Oui. Poulet braisé. Poulet braisé. Ouais, je l'ai remarqué. Elle n'a pas dit. Parce que poisson braisé, sanga. Et là, il y a les pâtes parce que ma fille, elle est compliquée. Ah bon? Regardez-moi ça, mes beautés. Ça va aller dans le ventre de qui, ça? Ah ouais, non, c'est fermé. C'est quoi dedans? Le sanga. Aïe. Est-ce que vous connaissez le sanga? C'est une spécialité camerounaise. Beti, non? Oui. C'est la spécialité des beti, ça. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas. Ouais. Je suis suivie par beaucoup d'Antillaises. Je ne sais pas si aux Antilles vous mangez ça. Bah ça, vous connaissez les filles. Avec du riz, toujours les Africains avec du riz. Bonsoir les filles. Donc voilà, je viens d'arriver. J'ai retrouvé la famille. Trop contente. Regardez tout ça là. Dans mon petit bid tout à l'heure. Donc voilà, on a bien voyagé. Je vais arrêter de filmer parce que je pense que je vous ai beaucoup saoulé. Et puis là, je vais essayer de profiter de manger. Et puis, on se retrouve demain. Allez, ciao. C'est parti, on va acheter les beignets. Non, on va acheter les beignets. J'ai trop faim. Il est 10h. Il fait super chaud. Tu on va chercher les beignets. On y va. T'as froid? Non. C'est vrai que je suis arrivé le matin. T'as froid? Moi j'ai chaud. Je suis en plein fer. Il y a le bon maïs là. Je sais pas qui il est, mais. Tu connais Robin de Samba supérieur, c'est ça? J'entendais parler, voilà, tu sais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Ils ont rénové tout. Bon, ils essaient. Ça, c'est quoi aussi? C'est une école? C'est toujours la même. Ah, hôtellerie. Hôtellerie-restauration. Ouais, allô, grand frère. C'est la même personne. Ah, ok, d'accord. Mon téléphone, on peut décharger là. Alors, on cherchait les beignets, on n'a pas trouvé.
Et là, du coup, alors on va chercher la farine. La farine de blé et du pain. Voilà, en fait, on voulait manger les beignets, c'est trop tard. À 10h au Cameroun, on n'en fait plus de beignets. Hein. Demain, il faut qu'on s'en souvienne. Hein. N'ayant pas trouvé de beignets, on a décidé de rentrer et d'aller faire des frites pour manger le KFC que j'avais gardé à mes cousins et à mes neveux car ils voulaient goûter. Donc, direction les frites. C'est quand moi je suis arrivé ici là pour manger, bon c'est Marco qui m'a dit donc. Non, ils ne savaient pas, j'ai seulement dit vous venez à la maison aussi. C'est quand ils arrivent ici que je leur ai dit que mon groupe arrive tout à l'heure. Ah, il ne fallait rien leur dire jusqu'à là. Mais ils avaient de la tête, tu nous as fait venir pourquoi, il y a quoi. Il fallait laisser demander jusqu'au bout. Tu fais ça bien. Moi je suis un homme qui a dit que En France, t'as pas le choix. Quand t'arrives là-bas, tu manges, t'es pas. Mais ici, au Cameroun, ici, c'est que ta soeur te trouve en train de préparer. Ouais, c'est culturel. Mais en France, t'as pas le choix. Parce non, que... tu peux aider ta femme, mais ça ne doit pas être une habitude. La cuisine. Donc, quand je reste au salon, moi, je suis mal à l'aise. Bon, maintenant, sur certaines personnes, ils n'aiment pas ça. Juin, c'est la petite saison de pluie, donc ce fut le seul jour au fait qu'on a pu voir de la pluie. On a eu beaucoup de chance, il n'a pas beaucoup plu, mais qu'est-ce qu'il faisait chaud. Il a déjà fait cocorico le coq. Ouais, il a déjà fait cocorico. Pendant que les autres dégustent leur KFC et les frites, moi j'ai décidé de manger le sanga, c'est une spécialité camerounaise à base de légumes, de maïs et de jus de palme. Alors en fait les légumes se rapprochent un tout petit peu des épinards et c'est un plat qui se mange sucré. Donc après avoir mangé, je suis allée faire un petit tour au salon histoire de visiter un peu la maison parce que j'avais juste vu la maison monter mais j'avais pas vu les finitions. Salut les enfants, ça va? C'est quoi ça? Alors, Arnaud, c'est ça? Les deux petits-neveux, j'arrête pas de les comprendre. Et Arsène, vous faites quoi? Tu fais quoi, Arsène? Tu regardes quoi? La télé. Tu regardes les dessins animés? C'est trop beau dehors. Ah ouais, il fait chaud. Hein. Ah, c'est trop beau. Ah non, c'est... Je vais prendre le gros zoom, on ne voit pas bien là. Ah ouais, c'est trop beau. Bonjour tout le monde, alors nous sommes lundi, on est là depuis samedi 23h. Voilà, franchement ça se passe super bien. Par contre il fait très 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 chaud, il fait très très... J'ose même pas porter des pantalons tellement il fait chaud, sachant en plus que c'est la saison des pluies. Hein. C'est la saison des pluies, alors je me demande quand c'est en saison sèche que ça doit donner. Donc il fait très lourd. Et oh là là, il y a des lézards et tout, Laïa, t'as vu? Donc voilà, Laïa, c'est son premier jour d'école aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, elle s'est mise à l'aise, et moi aussi d'ailleurs. Ouais, et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, elle est prête, on va juste déjeuner. Alors le petit déjeuner ce matin, ça va être un petit déjeuner à la camerounaise. Ça va être des beignets avec de la bouillie et de l'haricot rouge. Il faut savoir que les gens ici, ils préfèrent bien manger le matin. On mange bien le matin, c'est vraiment un vrai repas pour être en forme la journée. Et le petit déjeuner, au fait, tout est cuisiné. Donc voilà, ah, les beignets sont arrivés. Vous n'avez même pas, vous allez manger les beignets, vous allez acheter les beignets. T'as pas acheté les beignets? Si, j'ai acheté. Ah ouais, il ne restait plus de bouillie hier, non? Oui, il y a... Il y a un peu? Ça, c'est le petit déjeuner du matin au Cameroun. Beignet bouilli, manque un truc, c'est l'haricot. Ils sont pas sérieux, les jeunes ici. Ils ramènent que la bouillie aux gens, tu vois. Tu mets... Moula, tu n'as pas bu la bouillie. Ah, ils ramènent que la bouillie aux gens. Ah, qui? L'haricot, tu n'as pas apporté l'haricot. Ah non. Pourquoi? Je l'ai pas acheté. Ouais, Marie-Paul a été pressée. Bon, sinon, donc ça, c'est le petit déjeuner traditionnel. Ce sont les beignets, la bouillie et l'haricot rouge. Donc voilà, parce que les Camerounais aiment bien se bien manger le matin pour aller travailler durement toute la journée. Bon, voilà mes beautés, moi je vais me régaler et puis on se dit à tout à l'heure. Allez, ciao. La vie de la vie.
3 semaines. Oh, regarde ce qu'il fait. Il fait quoi? Il a fait quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Tu vois, Romain, il n'y a que des japonaises. Ouais, mais ça, là. Qashqai, c'est bien ça. Ouais. Ça se vend bien en France aussi, ça. Regarde, maman, j'avais raison qu'il fasse ses chiens. Ah, ouais. Arrivée à l'école maternelle et primaire d'Alberto, dont c'est une école bilingue qui a été créée par ma sœur et son mari, donc ils sont fondateurs de cette école. Donc il faut savoir qu'au Cameroun, au fait, le Cameroun est un pays bilingue où on parle le français et l'anglais, et cette école reflète bien cela. En dessous, donc les deux au rez-de-chaussée, le premier étage, c'est la maternelle. Et au troisième et quatrième étage, c'est l'école primaire. Lorsque nous sommes arrivés, les enfants étaient en récréation. Donc du coup, c'était impressionnant pour ma fille de voir tout ce monde-là. D'autant plus qu'on l'appelait la blanche. Donc ça n'a pas été facile. Du coup, elle ne m'a pas lâché la main. On est monté pour aller rendre visite à la directrice qui n'est autre que ma sœur. Donc du coup, la directrice nous attendait. On a été super bien reçus, super bien accueillis. Les enseignants savaient qu'on allait arriver avec Laïa, d'autant plus que la maîtresse à Laïa lui avait demandé un petit reportage histoire de voir comment se passe l'école au Cameroun afin de montrer à ses camarades de classe que Laïa loupait 3 semaines d'école. C'est le bureau voilà, donc de la on avait quand même des devoirs à c'est faire. C'est plus tata ici, c'est la directrice. C'est madame la elle directrice. Elle juste la chose. Donc du coup, on a été reçus par la directrice qui est descendue avec nous pour aller nous présenter l'établissement parce que je l'avais vu en construction, mais j'avais pas vu l'école en activité. Donc on a eu la chance de pouvoir visiter l'établissement. Sachant que nous sommes au mois de juin, au Cameroun, les élèves vont en vacances dès début juin. Donc, ils ont 3 mois de vacances l'été. Et donc, du coup, la fin de l'année, là, les enfants, il y avait certains qui venaient, certains ne venaient pas parce que c'était la fin, c'était pas bien grave. Donc, on avait la possibilité d'assister et de voir les enfants, en fait, qui s'entraînaient pour la fête de fin d'année. Et Laïa devait assister à cette fête et y participer vu qu'elle n'allait pas fêter avec ses camarades en France. Donc du coup, le but était de l'intégrer et de pouvoir fêter sa fête de fin d'année ici. Bon, allez, j'arrête de blablater, je vous laisse regarder la vidéo car elle parle très bien d'elle-même. Donc là, on est chez les tout-petits, ce sont des anglophones. Ils parlent très bien l'anglais, parlent mal le français, le comprennent, mais arrivent à côtoyer les deux langues. Donc du coup, Laïa, elle n'ose pas trop entrer dans la classe, elle est timide, elle observe au loin, elle regarde, les enfants l'observent. C'est vrai que c'est intimidant quand on ne connaît pas. On a vraiment eu l'occasion de faire le tour des classes. Laïa a été super bien accueillie, ils ont essayé de la mettre à l'aise, mais elle était impressionnée, c'était la première fois qu'elle venait. Mais on a trouvé qu'elle était courageuse parce qu'elle a quand même accepté de continuer la visite et de découvrir ses petits bouts de choux. Alors ceux-là, ils ont 3 ans et c'est toujours des anglophones, donc ils ne parlent qu'anglais. Et quand on arrivait, ils nous disaient « good morning ». Voilà. Et au Cameroun, lorsque la récréation se termine, c'est le coup de sifflet qui met fin à cette récréation. Quand les élèves entendent ce coup de sifflet, leur première réaction est de se mettre en rang, les mains sur la tête. Et au calme, un silence total, on n'entend plus un bruit. C'est impressionnant ce silence. Alors en général, ils sont guidés par un surveillant qui fait en sorte que tout se passe bien et qui les invite à rejoindre leur salle de classe au calme. Ici, c'est la fin de l'année, donc les élèves vont rejoindre leur salle de classe pour s'entraîner au spectacle de fin d'année qui aura lieu mercredi et nous sommes lundi aujourd'hui. Ah,
tout le monde n'est pas là, c'est ça? Oui. Et vous, vous êtes présent? Oui. C'est bien. C'est bien. Et alors, vous vous entraînez pas pour la danse tout à l'heure? Alors, est-ce que je peux voir quelque part? Oui. Voilà, après avoir visité certaines salles de classe, on va chez les primaires. Là, c'est la remise de devoirs avec des notations. Au Cameroun, que ce soit en maternelle ou en primaire, on note et les notes vont de 0 à 20. Donc là, les élèves sont en train de recevoir leurs notes sur le précédent devoir et ils vont s'entraîner un autre jour. Là, c'était un peu plus sérieux. Donc, on va continuer la visite pour visiter d'autres salles de classe. Et on va aller voir une autre salle de classe où ils ont décidé de faire du théâtre. Moi, je suis de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je suis de dire la vérité, toute la vérité. Mais ça, mon honneur, objection à la vérité. Là, c'est les tout petits-petits. Oh, dirait des bébés. Bonjour, les enfants. Bonjour, la maîtresse. On arrive enfin en grande section francophone, la classe qui va accueillir Laïa. Nous sommes arrivés, ils étaient en train de danser sur leur spectacle de mercredi. Laïa a préféré rester devant la porte à observer ses petits bouts de choux danser. Donc, ils s'entraînent et je trouve qu'ils dansent déjà comme des pros, ces gamins. Donc voilà, Laïa va passer 2 jours avec eux et verra comment se passe l'école en grande section sur 2 jours. Je me suis retrouvé sur une niche qui ne tombe pas à mort. J'ai fait un retour vers toi. Pendant que les élèves s'entraînaient à l'extérieur, ils étaient en train de mettre en place l'estrade pour le spectacle de mercredi. Et Laïa, pendant ce temps-là, elle avait fini d'observer. Donc, elle a préféré aller s'amuser avec certains élèves à l'extérieur et de se faire des amis. Pour clôturer cette journée, nous avons pris des photos avec des élèves de la grande section anglophone. Alors, explique-moi comment se passe l'école ici.